Salut tout le monde, c'est Vanrak et on se retrouve pour le 66e épisode de Assassin's Creed Odyssey. Alors, ce n'était pas prévu que j'enregistre tout de suite. Je pensais aller trouver la vision de la gardienne dans la grotte là. Simplement en cherchant, je suis tombé sur Achille. Donc, comme j'avais l'intention de faire les combats pour recruter tous les gardiens, ou en tout cas tous les déchus de manière générale, en vidéo, bah voilà, je suis bien obligé de lancer l'enregistrement. Donc je n'ai pas le choix. Nous allons affronter donc Achille. Et voilà. Recule. Achille, les enfers sont menacés. Serre Hadès. Il va aux portes. Si tu veux que je le sais, fais tes preuves. Je sais que je pourrais le loquer, mais ça m'a jamais réussi de loquer les ennemis dans ce jeu. Du coup, j'évite de le faire. Parce qu'après, je peux faire ça. Évidemment, la caméra sera toujours sur lui, mais voilà, ça me réussit pas trop de le faire. C'est qu'ils sont de la vie quand même. Peut-être que je fais encore une fois pas assez de dégâts, je sais pas. Pourtant j'ai rajouté un petit peu de dégâts en changeant d'arme. C'était vraiment léger, c'est vrai. Donc c'est peut-être pour ça aussi. À moins de faire l'attaque de surpuissance, j'ai tout le temps l'impression de pas lui faire baisser sa vie. Donc c'est le cas, pourtant je l'ai fait baisser, mais bon. Je sais pas. Une impression. Voilà, quand je fais ça, j'ai l'impression qu'elle baisse un petit peu. Un petit peu, quoi. Beaucoup quand même. Allez, c'est bon. Achille,
Hadès a besoin de toi. Va aux portes et garde-les. De ta vie. Bon. J'arrivais d'où? J'arrivais de là-bas. Donc logiquement, ce que j'étais venu chercher, c'est là. Dernier souffle d'Arès. Le dernier souffle d'Arès. Ça me j'utilise ça ou pas? Ah bah oui. Du coup, me l'active automatiquement. Ah non, voilà, amélioré. Ok, bon. Du coup, on va essayer de ressortir de là. Puis bah, on va aller faire ce qui était prévu de faire. quoi, je sais plus. Parce que logiquement, j'aurais dû préparer avant de commencer à enregistrer, mais j'ai été un petit peu pris au dépourvu. Du coup, ouais. Du coup, on pourrait aller faire cette mission-là. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être pas mal du tout. Puis de toute façon, faut toutes les faire. Les quêtes, apparemment. Ça fait toute partie de ce qu'il faut faire. Brasidas, ah ouais. Ok, ça fait plaisir. Attends, il y a un capitaine.
Il est où le capitaine, hein? Ah, c'est pas lui. Mauvaise pioche. Oh là, c'est dingue les temps de chargement là, franchement. À ton tour, soldat! Brasidas, c'est moi, Cassandra! Quoi? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que tu me veux, toi? Tu me reconnais pas, t'es sérieux là? T'as fini ton coup de pied? Ouais, on sait pas mieux. Tu te bats comme quelqu'un que j'ai connu. Nous avons affronté ensemble les hommes du Maquignon à Corinthe. C'est là que nous nous sommes connus. Un entrepôt en flammes. Nous étions cernés. Cassandra? Ça fait plaisir de te voir, mon vieil ami. Ami? Des amis se protègent mutuellement, mais tu n'as jamais pensé qu'à toi. Mes besoins et ceux de la population ne t'ont jamais effleuré l'esprit. Je t'ai déçu, je le sais. J'ai essayé de me rattraper en Amphipolis, mais je n'ai pas réussi à te sauver. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas morte, n'est-ce pas? Non, du moins, pas encore. J'ai reçu un bâton de mon père, mon vrai père. Il a des pouvoirs. J'ai été envoyée aux enfers pour apprendre à les utiliser. Des pouvoirs? C'est une longue histoire. Mais j'ai parcouru tout l'Élysée à la recherche de réponses. Ma quête m'a conduite ici. Tu es allé dans l'Élysée? Honore les dieux. Honore Sparte. Respecte ta parole et tu gagneras l'Élysée. C'est ce que m'a dit mon père quand j'étais enfant. Et depuis, j'ai toujours vécu selon ses règles. Malgré cela, dans la mort, je suis condamné à ceci. Si quelqu'un mérite le paradis parmi mes frères d'armes, c'est toi.
Alors qu'est-ce que je fais ici? Tu devrais en discuter avec Hadès. Mais c'est le choix d'Hadès. Il dit que je pourrais rejoindre l'Élysée à une condition. Affronter mon plus grand ennemi. Deimos. Deimos. Brasidas, tu ne dois pas attendre ici pour l'affronter. Pourquoi? Deimos est en vie. Hadès t'a trompé. Peu importe. Il finira par se montrer. Que t'a révélé Hadès, exactement? Il a dit, pour arpenter l'Élysée dans la mort, le fils de Sparte doit affronter ce qu'il a vaincu dans la vie. Les dieux et leurs maudites énigmes, ils ne peuvent jamais parler clairement. Mais je crois que j'ai déjà résolu ton premier souci. Tu peux préciser? Un authentique fils de Sparte n'affronterait jamais un ennemi sans son bouclier. Il faut retrouver le tien. Il est dans le sépulcre oublié. J'ai tenté de le reprendre, mais Hadès a envoyé les gardes défendre le tombeau après qu'un Malaka a tué Cerbère. Ce Malaka, c'était moi. Et maintenant, je suis obligé de travailler pour Hadès. Ça ne m'étonne pas. Tu as rendu la situation assez compliquée. Je n'ai pas été là pour toi, quand tu étais en vie. Laisse-moi être ton ami maintenant. Le courage me manque aux enfers. Au fond de moi, j'espérais ne pas avoir à affronter de nouveau Deimos. Qu'est-ce que tu peux me dire concernant ce sépulcre oublié? Il abrite les armures, trophées et armes des guerriers déshonorés. Les objets avec lesquels on les a inhumés, mais dont on les a dépouillés aux enfers. À quoi pourrais-je reconnaître ton bouclier? Tu sais bien à quoi il ressemble. Il porte les couleurs de Sparte et a connu de nombreux combats. À l'instant où tu auras ce bouclier en main, tu te sentiras comme avant. Assure-toi de ne prendre que le mien, si jamais tu en rapportes un autre. Ok, alors. Ouais, faut se rendre là-bas. Avance. Évidemment, j'avais zappé tirer de l'eau. Donc tu peux pas y aller. Tu peux pas y aller, mon fier destrier. Désolé. C'est là. Et on parlera à Caron après. Chaque chose en son temps. Honorable que j'ai connu.
peu près le point de synchronisation. Je suis à côté. La porte est verrouillée. Il faut que je trouve le moyen d'entrer. Ces symboles permettent peut-être d'ouvrir la porte. Ah oui, non. Non, c'est pas le bon. Je peux désactiver. Apparemment non. Ok. Super. J'espère qu'il en fait partie. Sablier, c'est ça. Faut allumer le sablier. J'espère que les étoiles en font partie, parce que sinon je suis dans la... Ça va être une grosse zone encore. Ça va être long à explorer tout ça. Allez, un deuxième. Des vrais labyrinthes. Je sens que je vais me perdre et qu'on va passer 2 heures. Souvenirs, peut-être. Où est-ce qu'elle a vu le deuxième symbole? C'est bien beau de dire le machin de l'esprit, mais si je sais pas lequel c'est. Thank you.
C'est moi qui subis le ou quoi? Bah je crois. Je crois que ça doit être ça. Ah, l'esprit, d'accord, il est là. Mais tais-toi! Oh, dégage! Je suis perdu là. Alors, le deuxième, c'est l'esprit à tête. Ok, donc ça a désactivé celui avec les étoiles, tant mieux. Et où le troisième? Il y a trop de possibilités. Il y a peut-être une réponse plus loin dans le tombeau. Le problème, c'est que je ne vois pas où. D'accord. C'est bizarre qu'ils mettent ça s'il n'y a rien derrière. Mais non, mais c'est pas vrai, je me suis fait buter par un serpent de mes deux. Mais le serpent en trois coups il te bute. C'est génial. Les tombeaux, crottes, tout ça dans cet épisode sont infernaux. C'est des labyrinthes plus que labyrinthes. Mais je vois bien qu'il y a un troisième, qu'il y a du monde là. Mais je peux pas y aller là.
trouver un passage pour pouvoir enlever ce qu'il y a derrière. Ça, c'est un chemin de retour, en fait. Voilà, je t'ai vu avant. Ah, est-ce qu'il y a un passage dans le mur que je ne vois pas? Celui-là, il y a ça, mais... on peut pas y casser. Ça peut pas être juste pour le trésor quand même. Si. C'est bizarre qu'ils mettent un voile juste pour aller chercher le coffre. Ah, je les avais pas butés ceux-là. Ça, c'est... d'accord. Il y a tous ces trucs fissurés, là. Je peux rien faire avec. Il y a forcément un passage quelque part, c'est pas possible. D'accord, il n'y a pas de passage dans le mur. En bas, il n'y a rien. Là, on a récupéré le premier symbole, on est d'accord. La porte est verrouillée. Il faut que je trouve le moyen d'entrer. Il y a trop de possibilités. Il y a peut-être une réponse plus loin dans le tombeau. Porte est verrouillée. Il faut que je trouve le moyen d'entrer. Ça m'a enlevé ça. Oh. Mais ça m'énerve. Ah, parce qu'il faut les faire dans l'ordre en plus. Oh. Ouais, d'accord. Je vois pas du tout où faut aller. Je vois pas du tout où faut aller. Il y a de ça comme passage hein, que je vois.
que à part derrière le voile, s'il y a quelque chose que j'ai loupé. Non, ça me saoule. Ça me saoule, ils sont carrément à l'opposé, donc non, ça peut pas être là. Bon. De toute façon, l'épisode est déjà assez long comme ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais, entre cet épisode-ci et le prochain, fouiller un petit peu plus. Hein. Puis je vous reprends pour le prochain épisode dès que j'aurai trouvé... dès que j'aurai trouvé le passage pour accéder au troisième symbole. Voilà, sur ce, je vous dis ciao. Et puis, bah, à bientôt pour la suite. Bye bye.